Hello, hello, tout le monde, les gens. Et oui, on se retrouve encore. Donc, nous sommes toujours le lundi 7 août. Bah oui, c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Donc là, je suis en train de faire le montage de ma petite déco. Et là, on va se retrouver pour faire une page art-collage, tout simplement. Alors, j'ai hésité. Je me suis dit, je vais faire sur la rentrée. Et j'entends déjà quand on me dit, ah mais tu te rends compte, on est au mois d'août, tu penses déjà à la rentrée? Alors qu'on est en vacances, moi j'ai pas de vacances, hein. Étant maman au foyer, j'ai pas de vacances du tout. Mais je pense à la rentrée, je pense à l'automne, vu que le temps est pas au beau fixe, donc forcément on pense un petit peu à l'automne, forcément. Et là j'ai dit, bon, j'ai cherché un peu dans mes stickers, dans un peu ce que j'avais en petite image. Je suis tombée sur un beau pochoir que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je vous avais montré en haul, c'est un haul Shein. Donc j'ai dit, on va faire sur le thème de la mode. Et oui, pourquoi? Je vais vous montrer. Hop là, ça tombe, c'est pas grave. J'avais acheté ce pochoir-là et je le trouve très 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 beau. Donc il y a le fashion, il y a le boutique, il y a voilà des genres de mannequins, il y a la paire de chaussures. Je me suis dit, eh ben, on va faire un petit peu d'art collage, voilà. Pas forcément de l'art collage, voilà, un petit truc sympa. Ça, par contre, ça sera pour une prochaine page. Hop. Alors, j'en ai fait d'autres des pages, mais je vous avais pas montré parce que des fois, j'ai fait ça une fois un soir, un peu sur le thème art gothique, tout ça. Donc, j'ai fait plusieurs pages, mais voilà, je vais pas les montrer tout de suite. Hop, hop, c'est parti. Je vous bascule. C'est nickel, vous êtes sur ma page. Alors, c'est la première fois que j'ai utilisé ces tampons-là. Ces pochoirs-là, pardon. Hello. Hop. Alors, j'ai pris du black metal, ça se verra bien. Alors, mon tampon noir, est-ce que j'en ai un là? Non, on va prendre un autre doigt, c'est pas grave. Alors là, le temps en Bretagne, il y a des nuages gris, blancs, enfin c'est. Je me suis levée ce matin, il y avait un beau soleil. Je me suis dit, ça fait du bien. Avoir un beau soleil un petit peu. Et ça change. Mais je sors pas. En plus, mon mari est au travail. Donc lui, il espère qu'il pleuve. Parce que là où il est, comment vous dire, il fait chaud. Il a chaud, vite chaud. Donc, il travaillait sous les tôles, sous des toits en tôle. Quand il fait très très chaud dehors, comment vous dire? Plus les protections, plus tout ça. Donc, voilà. Voilà. Hop, oh, c'est très beau. J'aime bien. La nana qui est contente, oui. J'aime bien, ça fait très joli. Hop, alors est-ce que j'ai mon truc? J'ai sorti plein de stickers. J'ai sorti. Qu'est-ce que j'ai fait de mon 3D? Je l'avais tout à l'heure. Et je ne sais plus. 3D, où es-tu? Oui, je l'appelle. Parce que j'ai bougé des tas de trucs tout à l'heure. Non, je n'ai pas rangé. Donc attendez, je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Heureusement que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, hein. Bon, je ne retrouvais pas, j'ai dit zut, caca prout nouille ou zut caca nouille prout, je sais plus. Donc voilà, alors on va essayer de mettre un petit peu de couleur. Alors j'ai sorti un peu de tout, hein. J'ai aussi pris ce stickers book là qui vient de chez Action. Donc il y a des petites bonnes femmes, vous voyez, genre comme ça, elles prennent un peu la pose. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Et j'ai bien envie de prendre la petite jeune fille qui est en robe rouge. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Ça, j'ai. Ah,
c'est un cœur qui s'est décollé, qui s'est collé à l'envers. Ça, les petits stickers book, je les ai pris pour moi parce que... vu que j'aime bien avoir des trucs comme ça. Et ça évite que ma puce colle partout. Elle est aussi en rose. Non, je vais prendre celle en robe rouge. Rouge et noir, ça va bien ressortir. Donc, elle est là. Donc, je vais mettre celle-ci. Alors, je vais utiliser bah, mon petit pic qui est normalement fait pour les quand on veut enlever les petits bouts dans les dies. Hop, bon. On va voir si je peux décoller. Ah bah je peux décoller comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Déjà ça. Alors j'ai sorti plusieurs choses, hein, donc là j'ai sorti des petits stickers que j'avais même plastifiés, que j'avais trouvé sur Pinterest. Donc qui dit fashion, bah, dit forcément les grands noms de la mode. Hein, donc là il y a Chanel, il y a du Vogue, y a, voilà. Ça je sais pas du tout ce que la page va donner parce que je fais au feeling, je fais avec ce que j'ai. Et puis, bah, je sais pas trop ce que je vais coller. On va bien voir. Hein. On se prend pas la tête. Là, c'est ce que Béa, elle dit. Quand on fait de l'art collage comme ça, on se prend pas la tête. Et on fait voilà, au feeling avec ce qu'on a. Voilà, en fait, on n'est pas obligé d'acheter des tas de trucs. Hein, moi, c'est des images que j'ai fait il y a peut-être plus d'un an et que je n'avais pas encore utilisé. Alors, en plus, je me suis rongé les ongles, donc... Hop. Donc on est lundi, donc je vous mettrai cette vidéo là demain mardi. Hop. Là j'ai bien envie de mettre celle-là aussi, mais je sais pas comment. Enfin, je sais pas, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre alors oui, voilà ça. Super, ça vole. Alors j'ai sorti aussi des stickers comme ça que j'avais trouvé à Action. Bah, c'est dans le rayon enfant, mais bon, comme quoi on peut faire des fois des trucs sympas avec des stickers qu'on trouve dans le rayon enfant. Hein. C'est pareil, là il y a de la petite bonne femme, il y a du petit mannequin. Il y a des chaussures, oui, il y a du maquillage, hein. Il y a plein de petits trucs sympas. Donc, on va mettre une petite bonne femme, j'ai vu qu'il y a des tas de sacs. Eh ben, je vais mettre la petite brune, là, elle m'a l'air sympa. Et hop. Je vais mettre le petit appareil photo. Bien sûr, je vais mettre des brillants. Hein. Faut que ça fasse très bling bling quand même. Hein. Hop. Les as de la jungle. Ouais, les as de la jungle. Voilà. Puis je regarde un petit peu hop, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et dans il est où mon pochoir? Oui, il est là, je vais regarder.
Je peux peut-être mettre la paire de chaussures là, en pochoir. Hop là, je vais tout mettre par terre. Ouais, je pourrais la mettre, limite, je vais la faire en rouge peut-être. Alors, je vais chercher mon rouge. Hop, alors j'ai pris du rouge et du rose parce que je vais faire les petits nœuds en rose. Hop, on va voir si on va y arriver hein, parce que je ne suis pas forcément très très douée pour ça. C'est les as de la jungle. Alors, on va mettre la paire de chaussures dans le bas et on va faire... Je sais pas ce qu'on fait. D'ici là, on verra. Moi, je vais aller le voir. Mais j'ai pas vu le 1 encore. Ah bah, si t'as pas vu le 1, tu vas pas beaucoup comprendre. Mais je veux quand même voir le 2. Alors, c'est parce du rouge. Je connais pas, en fait. Je t'avais même pas. Alors, du coup, on va remettre. Comme ceci. Je vais en parler à papa. C'est le 16. Ah mais je crois que papa il travaillera. Il sort le 16 août, mais c'est pas dit qu'au cinéma d'ici il y sera. Parce que c'est fermé le cinéma là en ce moment. Mais c'est le 16 août. Oui mais qui sort, mais pas dans tous les cinémas. Et il va juste dans quel cinéma déjà? Bah, dans les grandes villes déjà, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, il va juste dans les grandes villes, mais je m'en souviens plus. C'était le cinéma où on a été voir pour Miraculous. Sinon, je sais pas. Ça y est, la petite, elle a goûté au bonheur d'aller au cinéma, donc... Hop. Oh, bah c'est joli, dis donc, tes petites chaussures, là. Regardez comme c'est chou. Finalement, je l'ai réussi bien, c'est joli. Hop. Alors, pour le pochoir, je pense que ça va être bon. Hein. Je vais pas en mettre des tonnes non plus. Donc je vais le ranger dans la pochette. Bon, je donnerai un petit coup. Je paume tout, je retrouve plus rien. Donc je les nettoierai après. J'avais oublié de les nettoyer. Hop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Là j'ai du biapi, un petit sac à main, des petites chaussures. Ah, que c'est compliqué. Je vais peut-être mettre... j'avais fait une vidéo, j'avais fait des petites robes comme ça que j'avais customisées. Donc, je vais regarder, pas dans les toutes simples, dans celles que j'avais fait. Vilaine mouche. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être pas une blanche, peut-être dans les noirs. Je sais pas trop, on va regarder un peu. Voilà, j'avais fait des petites choses comme ça, toutes simples. Voilà, ça peut être celle-ci. Voilà, j'ai des petites robes un peu sympatoches. On peut mettre la noire là. Donc, hop, du 3D. Bon, j'attends avec impatience le 14 août. Et ben, j'ai mon ciseau, voilà, qui fait des siennes. Attendez. Voilà, désolé, j'ai mon ciseau là qui me fait des couacs. Donc je le nettoie avec un petit bout de lingette. Là, je vous raconte pas, j'ai encore du bazar dans mon bureau, mais ça va s'arranger. Puisque j'ai vu que mercredi à Action, ils allaient faire des étagères en plastique pour des noirs.
pour enfin en plastique, en espèce de résine, ils appellent ça. Pour 9,98€, donc je vais m'en prendre deux ou trois. Donc j'ai écouté vos conseils. Et je vais les mettre dans mon bureau. Je vais acheter aussi, j'ai vu sur Temu, de très très belles tentures pour pas très cher. Donc un peu dans ce que j'aime, un peu, vous savez, chat noir, mystique, un peu gothique, voilà. C'est des petites choses que j'aime bien. Elles sont vraiment vraiment pas chères. Donc voilà, j'ai bien envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai été à Action samedi, mais parce que sur l'appli ils en avaient, mais voilà. Et en fait, quand j'ai regardé le soir même sur l'appli dans les promos, je fais à mon mari, je fais attends, j'ai mis ce foot de moi. Alors je lui montre, il était mort de rire. Il me fait bon bah on ira, il dit t'inquiète pas. Donc c'est vrai qu'en ce moment là dans ma maison c'est le cirque. Hein, je vous l'ai déjà dit. J'ai un besoin en fait de renouveau, de rangement. Voilà, on est passé d'un appartement à une très grande maison, donc il a fallu se remeubler. Et puis voilà quoi. Puis bon, quand on a des enfants, on a pas mal d'affaires aussi. Hein, ça, hop. Et hop. Alors, je vais pas mettre trop de stickers, trop de trucs comme ça. Je vais chercher alors mon panier à machin à brillant, il est là. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre peut-être un petit peu de rose. Faut que ça soit bling bling. Alors du bling bling. Après, là, c'est sur couleur. Il y a des dessins qui je pense pas à prendre. C'est Oh, j'arrive plus à retrouver le mot. Oh, des trucs, là, des strass rouges, voilà. Surtout que j'en ai un petit peu partout, les trucs. Alors, je regarde déjà dans mes... Dans les plus vieux, ce que j'ai... Donc là, dans les plus vieux, il n'y a pas ce que je cherche. Hop, mon autre boîte, elle est là. Je vais la prendre. Un minou. Voilà. Hop, me revoilà. Vous voyez mon bidon. Oh, bah c'est un secret pour personne. Hein. Donc là, alors, hop. Un blanc comme ceci, ça pourrait être sympa. Pas de noir, j'ai du rose. J'ai des cœurs. J'ai pris les blancs, oui. Mais qu'est-ce que tu fais comme bruit derrière? Je débalance la table du salon. Bah t'en fais du bruit, dis donc. Je sais, je fais beaucoup de bruit. Bah oui. Tu fais comme moi et moi, je fais. Ah oui, bah, j'ai remarqué. Mais pour quand tu fais du cirque aussi, tu fais beaucoup de bruit. Voilà, donc on va coller des petits trucs assez sympas. Alors j'ai pris ceux-là, un petit peu doré, ça fait ressortir un petit peu le fashion. Alors je sais pas du tout comment je vais coller. Bah tiens, j'ai envie de coller celui-là avec l'étoile. Je le trouve très très beau. Je vous dis, hein, je suis pas voilà, je fais du hard collage comme ça. Mais c'est pas des choses compliquées que je fais. C'est du tout bête. Hein, parce que y a certaines youtubeuses qui font mieux que moi. Voilà, qui ont des tas de très très beaux papiers, de stickers, enfin bref, qui ont du bon matériel. Même sans forcément que ce soit du beau matériel, voilà, sophistiqué et tout. Hein. Non, je dis pas ça. C'est juste que voilà, moi je sais pas trop comment faire en fait. Tout simplement. Donc je fais un peu au gré de ce que j'ai. Hein. Là j'aime bien ces petits brillants, là, ils sont magnifiques. Hop, je vais en mettre un dans le haut. On met un dans le A aussi. Il est où, il est chez un copain. Ah oui. Ah bon?
Voilà. Voilà, vous voyez, je reste dans le noir, le rouge, le rose. Je vais pas mettre trop de couleurs quand même. Pour, voilà, pour éviter que ça fasse trop flash, trop... Je vais mettre un petit diamant comme ceci. Hop. Et puis, je pense que ça va être bon. Hein, il n'y aura pas forcément besoin de... Pardon, de plus. Je sais pas, vous en dites quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, c'est pas cette pochette-là. C'était celle-là que je voulais. Je sais pas, peut-être un violet, peut-être. Ouais, un petit violet. Là, je mettrais bien un petit violet sur la robe de la jeune fille, là. Juste au milieu de la ceinture. Voilà, ça me paraît bien. Et... Je vais en mettre pas le rose parce que ça ressortira pas. Mais là, derrière les talons de la chaussure. Enfin, des chaussures à talons. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon. Hein, je vais pas... À moins que j'en mette un... Que je mette un... Un pouce. Ouais, sur le i. Ça fera plus beau. Bisous, câlin. Au revoir, bye bye. Au revoir pour une prochaine vidéo. Et le feutre sur le bras, dis donc. Et va te changer de pantalon, Pépette, là, s'il te plaît. Okay. Désolée. Bah, de toute façon, t'auras ta douche, hein. Je suis désolée. C'est la parenthèse. Non, là-haut. De toute façon, tu vas aller dans la douche. Tu restes pas avec ton pantalon, là, il y a un trou dedans. Je suis désolée. C'était pas prévu. Donc, bah voilà, moi je vais pas faire grand chose hein, sur cette page. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est du hardcollage, on va dire, d'âge 10-12 ans, peut-être pas plus. Hein, j'en ai 40, mais voilà, je sais pas faire mieux. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas, y a pas grand chose. Hein, un peu sticker, c'est un peu voilà, de pochoir, quelques trucs. Moi j'aime bien, c'est tout simple. C'est voilà. Pour moi, ça me suffit. Bah voilà, j'espère que cette petite page sur, bah sur la mode vous aura plu. Hein, vous voyez, c'est pas grand chose. J'espère que voilà, ça aura été un petit moment. Pardon. Un petit moment partagé. Et que bah, ça vous aura. Voilà, ça vous aura plu. Ça, voilà. Je me perds un peu, je suis désolée. et puis voilà, donc la prochaine fois. Je vais essayer de faire une page spéciale, mais je vous raconterai ce que c'est plus en détail quand je ferai cette vidéo. Je vous en parlerai et en tout cas, moi, cette nouvelle communauté dans laquelle je fais partie, ça me fait du bien, vraiment. Où je peux partager ma vie, ce que j'ai vécu et voilà. En tout cas, je ferai une page spéciale là-dessus. Sur ce, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Sur ce, je vous laisse là. J'espère que, bah, voilà, je le redis, j'espère que cette petite page bah, vous aura plu. Oui, c'est tout bête, hein, vous voyez. Hein, je ne fais pas du grand art. C'est des trucs que je pioche à droite, à gauche. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et, ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, bye bye.